Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'une nouvelle série. Vous en faites pas, on va aller faire les trois. On fera pas off the record parce que c'est pas officiel scénaristiquement. The Dead Rising. Une de mes séries de jeux préférées. J'avais commencé avec le 1 chez un ex à ma sœur. Mais j'ai jamais réussi à le trouver en magasin parce qu'au moment où je voulais l'acheter, il n'était plus en vente. Donc maintenant qu'il est sorti sur PC, je suis aux anges. Nous avons déjà mis les paramètres graphiques au maximum. Le jeu ne pourra pas être plus beau que ce que vous voyez là. Prenez-en note. Et nous allons donc commencer la partie. Je sais plus ce qu'il faut faire dans ce jeu. En fait, j'ai jamais fini le premier. J'ai fini les autres. Mais je n'ai pas fini le premier. Donc, il est possible qu'on se faille et qu'on n'arrive même pas à voir la vraie fin. Mais on va y arriver, je pense. Mais il n'est pas rare que dans un premier run, tu ne peux pas faire la vraie fin. Parce qu'il faut obtenir un certain level, truc de fou, pour que ça marche. Alors, le jeu est à 60 FPS. Pour vous, il est à 30, désolé. Mais vous avez la qualité Xbox. Et ça, c'est cool, non? Say, buddy. You mentioned something about research for a story. That's right. Got a tip that something big's happening. In a nowhere little... I covered wars, you know. Sure didn't mention anything about it on TV. Yeah, well, I'm freelance, pal. I don't make my living waiting for the TV to tell me what to cover. Here she is. Wait a minute. Et oui, vous pouvez tuer exactement ce nombre de zombies. Et étonnamment, dans le tas de zombies, il n'y a pas un seul enfant. Donc c'est une ville d'adultes. Allez, on va prendre des photos. Ah oui, c'est vrai que tu pexes comme ça en fait. Brutality. Vas-y, fais-toi bouffer. Inclassable. Business as usual in this town.
Techniquement, là, on est très très près du sol, hein, d'après ce que je peux voir. C'était parfait, ma photo. Elle n'a plus de mission. Oui, ils sont un petit peu partout. Ah merde! Derrière toi! Voilà, on a obtenu plein d'XP là comme ça, c'était parfait. Si j'avais pu prendre cette photo de l'entrée, putain, le nombre d'XP que je me serais fait. La valise. Hola, amigos. You're the reporter, aren't you? Yeah. No. You came alone? Yeah, I'm freelance. You know, go on the battlefield alone, no crew. So, what's going on around here anyway? You came by helicopter, didn't you? What did you see from the sky? Well, if it were just a riot, I doubt the military would quarantine the entire area. The moratorium on information getting out is a little extreme, in my opinion. There's, something else I can't put my finger on. Doesn't sound like civil disobedience. It's too quiet. Almost as if
Everyone's already dead. Oh, c'est drôle. T'as comique. So why don't you just tell me already? What's going on? I think tout le monde est mort. Putain, ta tenue, elle est tellement belle en HD. Carlito. Appuyez sur tab pour regarder l'heure. Ok. Alors. Ah, le gameplay à la souris n'a pas l'air si mal. Hein. Tab pour regarder l'heure. Oui, bah je sais. Attends, un petit... Il y a un zombie pas loin. Je ne sais pas où. Il y a pas... C'est quoi les touches pour me battre? Bon, ça sert à rien. Carlito! Si! Et prends la photo! Il m'a rapporté un TNFPP! On dirait que vous êtes le seul journaliste à être arrivé ici. Si! Je suis à la recherche d'une bonne photo. Oui, bref. Quoi? Sauvegarde. Vous pouvez sauvegarder aux endroits marqués d'un S. Ok. Genre là. Sauvegardons assez fréquemment. Hein. Ok. Ça sauvegarde sans problème. Il y a un truc à pépé là. C'est écrit pépé. C'est écrit pépé. Attends, mais quoi? Quoi? Genre des autocollants PP? Et ça rapporte des PP? De les prendre en PP? En photo? Cool. Je savais pas ça. Chose que je n'ai jamais fait dans le premier. Alors oui, n'oublions pas que le temps s'écoule toujours. Genre vraiment toujours. Non. Yeah. Merci. Et là, qu'est-ce que c'est comme costume? Non. Et là, qu'est-ce qu'on a? Oh putain. Yeah. Voilà, merci. Yeah. Là, qu'est-ce qu'on a? Pas mal. Et ici? Sympa. Ouh, des petites lunettes. Ouais, parfait. Alors, je vais juste reprendre mon costume. Je me garde les lunettes, elles sont pas mal. Quoique... Non. Non, merde, comment je rends mon costume de base? Je veux mon costume. Mais j'en ai combien? Où est mon costume de base? Oh, bon bah merde. Ah, il est là. C'est bon, on est bon. Pouf, j'ai fait flipper. Qu'est-ce qu'on a ici comme costume? Non. Et ici? Et putain, je peux avoir des costumes pas moches.
Ça fait une petite musique quand tu changes dans ce costume là. Merci, reprends ta tenue normale. Non, je suis pas une fashion victime. Bon, y a rien à faire ici. Cassons-nous. Ça fait quelque chose si je prends une photo de caméra. D'accord. D'accord, j'ai compris, merci. Très belles expressions faciales, Franck. Magnifique. Non, il n'y a pas d'autocollant pipi. Vous en faites pas. Un moment, je vais arrêter. Je vais vraiment jouer. Faut juste que je teste les costumes. C'est forcé. C'est une étape obligatoire dans le jeu. Je vous jure, ça fait partie du tutoriel. Faut tester tous les costumes. Si vous ne me croyez pas, faites-le vous-même. Allez, let's go. C'est quelle heure? Ok. C'est très chiant parce que je sais pas lire les aiguilles. Non, je déconne, je sais lire. Ça m'a pris très très longtemps avant de savoir lire les aiguilles sur une montre. Mais maintenant, je sais lire les aiguilles. C'est bon. Vous en faites pas. Vous êtes entre de bonnes mains. Du coup, je vais devoir analyser tous les petits tableaux pour savoir si je dois amener un autocollant PP. Ça va être drôle. Oui, ce sera à cause d'elle que tout va péter. Littéralement. Hey, this is no time to ogle pretty girls, son. C'est toujours l'heure de reluquer les filles. Non mais. What? Did you just say zombies? Take a look out there. If those ain't zombies, what would you call them? There's been more and more of them since last night. Now, they're all that's out there. Eh, look on the bright side. Zombies are stupid and slow. Et ça, c'est cool. We should be safe in here. All right, then. Feel like making yourself useful? Take a look around the mall. Bring anything we can use for the barricade back here. Andale! Come on, pronto! Pince? Perfect. Oh bah j'ai pris en photo un autocollant PP sans le vouloir. Perfect.
somewhere, shitting in his pants like a chump. Well, even a pussy like him can make us listen shit. Don't worry. Yes, I'm not scared. Hey Marc, une petite photo. Tu ressembles pas du tout à un Sims, tu sais. Cathy. Ah oui, putain, c'est vraiment une femme. Oh, bordel. J'ai trouvé les trucs. Regardez, un vieux con. Stop right there. Do you have any idea what you've done? Why did you summon me to this place? What are you planning? Would you calm down? I don't even know what you're talking about. What the? Il est bizarre ce petit vieux. Et voilà, c'est la merde. Elle est très très forte, hein, la petite vieille, quand même. T'aurais pu te relever, hein. Incapable. Ok, Louis. J'arrive, Louis. Oh, what the fuck, ils sont rentrés vite. Ah, c'est Q, pas A, bande de tarde. Ah, là, j'ai une batte de baseball. D'accord, il faut juste cliquer. Je crois, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, le jeu, là? Vite, mangeons ça. Tout va bien. Bon, tout le monde est mort, c'est pas grave, de toute façon ils sont censés tous crever. Donc on est ok. Pardon. Des bonnes chips. Sont très très moches pour la plupart, bordel. Et j'ai découvert de sang avant d'arriver ici.
Là, nous allons rencontrer le personnage le plus sexy du jeu. Salut. D'ailleurs, ne cherchez pas d'image d'elle sur Google Images sans le Safe Search. S'il vous plaît. Parce que si vous tapez son nom et Dead Rising sans le Safe Search, bah, il se passera à peu près la même chose que si vous cherchez Gardevoir ou Renamon sur Google Images sans Safe Search. Vous êtes prévenu. They'll get us back into the mall, and apparently those things aren't smart enough to use the ducts. So they won't be a factor. Wait a minute. You want to get back in there? What for? Il y a des survivants, faut les sauver. Hey. Oui, bonita, señorita, eh? Are you a photographer? Ouais, tu veux qu'on fasse des photos, toi et moi? Hein? I covered wars, you know. Could you show me some pictures, Frank? Tu regardes pas les photos, là. Who are you guys, anyway? And what are you... Oui, ça c'était l'époque où savoir utiliser un appareil photo, c'était pas normal. Vous voyez, ça date. 2006, hein. Ce jeu a eu 10 ans cette année. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est sorti sur PC, pour les 10 ans Dead Rising. I'm Jesse. Voilà. Ne cherchez pas Jesse Dead Rising, s'il vous plaît. Si je peux vous donner un bon conseil, ne le faites pas. Arrivée de l'hélicoptère dans 70 heures et 14 minutes. Alors, est-ce que je peux? Quoi? Ça compte même pas pour une photo érotique? Oh. 100 points, parce que c'est Jesse. Yeah. Comment il me parle de... Il me parle du menu photo. Qu'est-ce qui se passe si je retourne sur le toit? Comme que je peux retourner sur le toit là maintenant. Bon, ça sert à rien. Mais on dirait que ça sert à rien de revenir ici. On se casse! La batte est bientôt pétée par contre. Allez, retournons dans le centre. Hop. Ah oui, là, je vais devoir ramener deux survivants. Directement. Dès maintenant. Ce sera les deux premiers. Hey!
On est d'accord, on a vu un truc se coucher derrière moi, non? Alors là, il y a ça. Qu'est-ce qu'on a dedans? Non, Q. Qu'est-ce que c'est? Oh, parfait ça! Ça c'est parfait pour des bonnes photos. Salut Jeff! Viens, je vais t'aider. Alors, CTRL et A pour... CTRL et Q pour définir une destination. Ok. Alors, toi, je te remplace par ça. Voilà. Parfait. Ils se ressemblent, c'est fou. Allez, venez. Niveau supérieur. Nouveau talent. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez appris coup de pied sauté. Yeah! Alors, sauf erreur, si je fais juste ça... Parfait. Les deux sont sauvés. Et j'ai level up. Sauf erreur, il y a des zombies dans l'ascenseur. Non. Ok, alors sauf erreur, il y a des zombies ailleurs. Vie maximale augmentée. Parfait. Non, c'est trop tôt pour Jesse en fait. Sur tout ça. Mais il y a toujours un truc qui est derrière moi, hein, je jure. Appuie sur virgule. Bon, ça doit être point. C'est M, en fait. Sur un vrai clavier, c'est M. Ok. Deux secondes, Otis. Oui, qu'est-ce que tu veux? Il y a un jeune garçon qui est dans Paradise Plaza, il a un appareil photo. Ah, merde. Il est pas très cool, lui. Voilà. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace ça par la masse. Voilà. On descend par là. Ça marche aussi comme ça. Avec des pommes aux douches, c'est pas très très utile. Ça sert pour une photo. Bon, allons voir le gamin. Ici, par contre, plus tard, ce sera rempli de zombies. Genre, je crois maintenant, en fait. Feeling you'd show up.
Non mais c'est un zombie avec des talons, ça. God, it's you. Look, don't sneak up on me. Brad was attacked. I located him on the monitor. Okay. It's probably just a sprain. I've got to help Brad, or he's done for. All right, fine. Give me your gun. Come on. I'm the reason you just got hurt. Let me help. No, I can't let a civilian do that. That's against regulations. Yeah, well, I don't think they had zombie-infested malls in mind when they wrote those regulations, kid. You know how to use this? Kinda. I've covered wars, you know. Voilà, parfait. Salut Guilhem. Et en effet, cette fois, c'est un live intéressant. You and I are gonna have a nice little chat. I covered wars, you know. Bref, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre des likes et de partager. Et à une prochaine. Bye bye. Get up, 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 get up